La famille et les proches de Chahina redoutaient cette confrontation. Dans le box de la cour d'assises pour mineurs de l'Oise, un seul accusé, l'ex-petit ami de l'adolescente, soupçonné de l'avoir poignardée et brûlée vive. Première journée d'audience rendue encore un peu plus étouffante par le huis clos. À l'horreur des faits relatés, s'est superposée l'attitude du meurtrier présumé impassible. Épreuve insurmontable pour le père de Chahina qui a laissé éclater sa colère. Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 à Beauvais. Muré dans le silence, le visage juvénile et les cheveux attachés en chignon. Juste avant le huis clos, l'accusé fait face à une dizaine de proches de Chahina. Au moment du déroulé des faits et face à l'horreur du meurtre de la jeune femme, son père craque. 14 coups de couteau. 14 coups de couteau. Il verse un bidon d'essence et met le feu. Et ce criminel garde la tête baissée. Il n'arrive même pas à regarder, s'emporte-t-il, tremblant de colère au moment de la suspension d'audience. Le ton monte entre les deux parties face à l'absence de réaction de l'ex-petit copain de Chahina. Un détachement du principal. Principal suspect caractéristique de sa personnalité, selon Maître Negar Ehari, avocate de la famille de Chahina. Un état de neutralité et d'inexpressivité qui a été visiblement constant tout au long des premiers mois passés dans la première prison pour mineurs. C'est quelque chose qui a toujours beaucoup étonné le personnel pénitentiaire, c'est-à-dire une absence totale d'émotion. Et aujourd'hui, le procès se poursuit avec l'audition de plusieurs proches du meurtrier présumé. Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 devant la cour d'assises pour mineurs de l'Oise. Le procès doit se poursuivre jusqu'à vendredi.